Je m'appelle Mohamed, je viens d'Ethiopie, c'est la région Bale. Je aide mon famille, ils sont, c'est pas une grande fabrique, mais ils ont fait café. Et ma mère fait café pour, comme export. En Éthiopie, comme j'étais étudiant, je n'ai pas fini mon école à cause de la politique. Nous, on ne fait rien, mais juste on fait manifeste pour la capitale de l'Éthiopie. Ils sont juste pour faire business, tu vois. Ils ne pensent pas pour les gens, ils habitent. Agriculture comme ça. On n'est pas des cons, on est student, on n'est pas des cons, on fait manifestation pour ça. Et c'est pas mon ville, on fait manifestation, c'est une grande ville de région, elle s'appelle Robé. On fait manifestation 2013 comme ça, et après on est perdu des amis à cause du gouvernement. C'est pas comme ici. Ici, ça va. Si tu fais manifestation, il ne faut pas mettre pistolet pour tuer quelqu'un. Là-bas, c'est normal. Ouais. On est perdu 3 personnes parties pour une manifestation. J'ai perdu 3 des amis. Et après, j'étais en prison 8 mois. Et après, ma mère, elle payait de corruption. Pour quelqu'un, police, c'est ami de ma mère, ma famille. Et après, ils ont payé l'argent, moi j'ai quitté l'Éthiopie. J'étais en France en 2015, à Paris. Et après, je vais traverser entre Angleterre. J'ai essayé 7 mois à Cali. Et après, j'ai pas de chance pour rentrer en Angleterre. J'ai dit, après, je reste en France. Oui, je reste en France. Cali, et après Paris, et après Montmartre, après Ardèche, après Toulouse. Maintenant, je suis un réfugié, politique réfugié. Ça va pour papier, mais c'est stress, tu vois. On pense quelque chose bien, mais c'est difficile pour trouver papier, pour trouver logement, pour langue, c'est compliqué. On parle pas, moi je parle pas français, je parle pas anglais, et, tu vois, c'est très compliqué pour la langue. Mais on va arriver, je vais arriver un jour. C'est le moment où je commence la formation ITS. ITS, installation thermique sanitaire à Ramonville, à Drar. Je commence depuis l'année dernière, septembre 2022. On va finir le 17 mai 2023. Mon projet, c'est. Moi, j'ai premier projet pour. Je vais voir mon famille. Mais si je vais là-bas, je n'ai pas de nationalité, tu vois. Si je vais là-bas, direct, présent, je ne sais pas. Mais moi, mon projet, c'est voir ma famille. Et après, maintenant, ça va aller. Tu vois, pour travailler, moi, je parle un peu français, mais ça va. La population française, ils ne connaissent pas la vie de nous avant, ils ne connaissent pas. Ils se pensent juste qu'on est venu ici pour l'argent. Mais ce n'est pas ça, on est venu ici pour quelques connards gouvernement de politique, tu vois. Politique Afrique, c'est la merde. Plus comme venir ici, tu vois, moi, comme j'étais en Libye, on pense comme tu es entre Europe, tu es out, tu vois. On pense que tout c'est possible. Hein. Tout c'est possible, ça veut dire. Tu n'as pas de problème de logement, tu n'as pas de problème de papier. On pose ça. Mais comme on arrive en Italie, je vis, les gens ils sont dormis dehors. Et après, je dis, c'est bizarre.
Moi, mon image de comme j'étais en Libye, je pense, Europe, c'est pas de problème dormir dehors comme ça. Et après, je change, je traverse 20 000 là et comme ça. Et après, j'arrivais en Paris. Et après aussi, j'ai vu les gens dormir dehors. Et après, c'est quoi ça? Moi, image, c'est pas comme ça. Moi, l'autre image. Mais ça va, maintenant ça va, j'ai trouvé la paix, alhamdoulilah. Mais j'ai juste une chose, je veux partir voir mon famille.